de tout le monde, c'est celui sans trophée. On se retrouve aujourd'hui, donc je vais vous montrer du coup la voiture cachée, donc le E3 Up One, donc la quatrième voiture. Donc elle se trouve du coup dans cette zone-là. Donc on va mettre un itinéraire. Et je vous conseille du coup de vous téléporter du coup au défi précision numéro 19, hein, qui se trouve juste ici. C'est à 3 km du coup pour arriver à la voiture cachée. Hey! Il paraît qu'il y a de nouvelles compétitions de voitures exotiques qui ont lieu dans tout le pays. Si tu veux participer, je te suggère d'aller à l'endroit indiqué sur ta carte. Allez, fonce! Alors, Zoé, elle a un petit peu roulé, Zoé. À chaque fois, elle change mon itinéraire. Bon, je vais promettre la prochaine fois de faire la mission de Zoé également, parce que moi à chaque fois en fait c'est plus le nouvel itinéraire qu'on peut pas parler. C'est dans cette direction, mais du coup on sait pas trop où on est plus. Oh ouais, le saut qu'on vient de faire il était stylé. En plus on a même fait un haut. Alors du coup, bah tiens, faut que tu fais bon impôt, vous aimeriez bien plus faire des examens. Alors, la voiture, elle se trouve du coup par là. Oh, elle doit... Ah, se trouve de l'autre côté du hangar. On va aller de l'autre côté, hein. Parce que je pense pas qu'on peut rentrer dedans, sinon pas de l'autre côté, je pense pas. Ouais, de ce côté-là, on va juste avant le faire. Et là... On a le trône Up One, du coup la quatrième voiture cachée qui est du coup juste ici. Voilà, on la voit pas très bien, du coup elle est un peu cachée. Donc du coup demain du coup je vais vous montrer du coup l'emplacement du coup de cette voiture, du coup pour la le trône Up One, donc la cinquième voiture cachée qui se trouvera du coup dans cette zone là. Donc je vous conseille du coup de vous téléporter au défi du coup le plus proche, hein, qui sera du coup le défi vitesse numéro 15, hein, qui se trouve du coup, juste ici. À demain, c'était Solution Trophée.